Alors, tu prends le jeu de cartes. Tu peux te faire une feuille comme j'ai faite, comme ça. Je te la remonte encore là, pour que ce soit facile à se rappeler. Et tu peux la placer à côté de toi. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais faire un exemple avec Gabriel. On va faire un de chaque. Donc, tu peux brasser ton jeu de cartes. Quand ton jeu de cartes est prêt, tu le mets à côté de toi. Et là, par la suite, je te montre comment ça fonctionne. Gabriel, tourne la première. Qu'est-ce qu'on a? Deux de pique. Deux de pique. Donc, on regarde le pique, c'est la planche 5 secondes. Donc, vu qu'on l'a fait avec un 2, c'est 10 secondes de planche. Alors, tu t'installes. Hop! Et là, tu peux calculer un 10 secondes, tu peux te sortir un chrono. Tu vas voir avec les petites cartes, c'est plus facile. Quand ça va être les grosses cartes, ça va être un petit peu plus difficile. 8, 9, 10. Après ça, tu tournes une prochaine carte. Le Joker. Donc, le Joker, Gabriel, c'est quoi? 10 burpees. 10 burpees. Alors, c'est parti, gars. L'important, c'est d'y aller à ton rythme. Si c'est trop difficile, tu peux toujours en faire un petit peu moins. Si c'est trop facile, tu peux toujours en faire un petit peu plus. Lâche pas, gars. 7. 8. 10. Le Joker, il revient juste deux fois, inquiétez-vous pas. Allez, prochaine carte, gars. 4 de carreau. 4 de carreau. Donc, le carreau, c'est les abdominaux. Alors, tu as le choix. Donc, 4, ça fait 20. Alors, tu t'installes au sol. Je te rappelle. Soit tu fais comme ça. Tu viens toucher devant. Ou tu peux faire comme Gabriel. Et venir faire les leg raises comme ça. Et d'en faire 20 répétitions. Oups, j'ai oublié. Lâche pas. 10. 11. Vous pouvez vous mettre de la musique aussi, le faire en famille, ça peut être une super belle activité. 20, on tourne encore.